Eh bien, Marcel, je suis là sans être là parce que j'ai rencontré en dessous d'un cocotier le fils de ton ami Guy Sanche, Dominique, hein, Camélio? Et je peux pas te résumer, te compresser en 2 minutes et demie, parce que s'il y en a un qui devrait être là ce soir, c'est moi, parce que tu as tellement contribué à mon accomplissement. Et le mot est faible, parce que au début, comme tu disais toi-même, j'étais une boule qui roule. On parle d'en haut de l'Orphéum. Il y avait des petits James Dean, il y avait des petits Gérard Philippe, des petits Jean Duceppe. Et tu me disais, mais essaie de marcher comme toi-même. Essaie de dire à une fille que tu l'aimes. Puis je me souviendrai toujours de ça. Je me souviens de ça. Comme si c'était hier, la méthode Stanislavski, tu m'avais expliqué ça en une seconde. Tu avais dit, mais la fille là, à qui tu dis je t'aime, même si tu ne la trouves pas de ton goût, pense au bon hot dog que tu vas aller manger après la répétition. Puis les gens, ils s'en foutent de quoi tu penses. Ils veulent juste que l'émotion soit vraie. Alors, si on a compris ça, que tu dis je t'aime à une fille en pensant au hot dog qui s'en vient, tu as compris à peu près toute la Actors Studio. Bon, évidemment, c'est 3 ans et demi d'école. On se connaît depuis 50 ans. Après, il y a eu Stratford. Tu avais le verbe de Lucchini, la majesté de Laurence Olivier. Tu m'as appris l'écriture automatique. Un wawaron tient dans sa gueule la lune. Un wawaron se moque, moque, moque de chacune que j'ai aimée. À partir de là, j'ai fait les wawarons. Après, tu m'es arrivé avec des chansons en joual, cette langue qui donnait la parole à des gens qui n'avaient jamais osé l'apprendre et avec lesquels j'ai eu des succès fantastiques. On pense à tout écartillé, on pourrait penser à y passer, il faisait juste passer, n'empêche qu'il nous a laissé un œuf. Après ça, on pourrait parler de toi pendant des heures, ton talent de comédien. Et mes enfants, ils m'ont toujours dit, si Marcel Sabourin fait un stand-up un jour, papa, on va y aller. Parce que Marcel, je crois que tu es allé au baseball avec eux, ils n'ont jamais été éblouis par quelqu'un comme toi. Ils ont dit, c'est pas un amateur de baseball, c'est un amoureux de baseball et un connaisseur de baseball. Je sais que c'est sur le coussin en ce moment et que ça peut s'en venir. Alors, je voudrais te dire, Marcel, que je t'aime, que je me suis trouvé grâce à toi, parce qu'un jour, tu m'as dit, Robert, tu peux peut-être essayer d'être un acteur, mais la musique te sort par les oreilles. Alors, essaie de faire tes chansons et de t'en servir comme si c'était des petites pièces de théâtre, et te dire jusqu'à quel point je te dois mon succès aujourd'hui qui continue. Ça fait 50 ans que ça dure. Et je pense que tu en as une grande partie là-dedans, et Marcel. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont chacun leur Marcel Sabourin, mais en tout cas, le mien, je le garde très profondément dans mon cœur et je t'aime. Bye.